ICCWV, World Wrestling Federation. Mais c'est AEW. W, c'est justement ça qui va se passer. W pour Vachon. Parce que Mad Dog Vachon va être tué, va être obligé d'être doublement bon pour triompher contre les adversaires qui viennent du sud, notamment des États-Unis. Et tu sais, Edouard, que moi et toi, dans le passé, on n'a pas fait trop bon ménage. Mais laissons-nous le fait de côté. Et je sais une chose, que lorsque j'ai commencé dans le métier de la lutte, un métier ingrat, parce que les gens se souviennent seulement, on se souvient seulement que des gagnants. Et je me rappelle à mes débuts que j'en ai mangé des volées. J'en ai mangé des bonnes. On m'a cassé les dents. On m'a fracturé le larynx. Combien de fois que j'ai été à l'hôpital. On me dit qu'à mes débuts, Edouard, que Maurice Vachon, dans ce temps-là, c'était pas Mad Dog. Maurice Vachon, il te manque quelque chose. Tu ferais revenir de peine à la lutte. Et moi, vous dire une chose, j'étais décidé de réussir et je crois que j'ai prouvé mon point. En 1948, comme tu sais, moi, j'ai représenté mon pays, le Canada, aux Jeux Olympiques. On me dit que j'étais pas assez gros que je ferais jamais de rien de bien. J'ai battu aux Jeux Olympiques à Londres, en Angleterre, champion des Indes, dans 22 secondes. Et ensuite, aux Jeux de l'Empire britannique, en Nouvelle-Zélande, j'ai gagné une médaille d'or, j'ai gagné trois fois le championnat du Canada amateur. Et depuis ce temps-là que j'essaye et je me bats sans cesse pour représenter les Canadiens français partout à travers le monde. Il y en a qui ont toujours essayé de manger la laine sur le dos, mais ils n'ont jamais réussi. Et tant que j'aurai une goutte de sang qui va me couler dans le corps, il n'y a personne. Monsieur Carpentier, il n'y a personne qui va réussir, qui vient des États-Unis ou d'ailleurs. Eh bien, on a entendu.